Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Nemi Koupa et aujourd'hui on se retrouve pour Tequila Works Deadlights Director's Cut. Un jeu sorti en 2016, de ce qu'on voit en dessous. Du coup, bah, on va découvrir. Choix de scène. Ah, c'est pour le mode histoire. Survie. Alors qu'il cherchait des provisions, Randall Wayne s'est retrouvé enfermé dans un hôpital abandonné, envahi par des morts-vivants affamés. Les ombres se rapprochent et Randall ne peut plus s'enfuir de l'hôpital. Combien de temps survivra-t-il dans cet enfer? Oh, ça a l'air marrant, ça. Souvenir. Oh, jeu portable. Trouver le jeu vidéo portable. Bon, paramètres de jeu. Peut-être pas les vibrations parce que je sais qu'on va m'en mettre un milliard, hein, donc au point que ça me nique les mains. Bref, on va jouer. Bon, on va y jouer sûrement que 20, 15-20 minutes. Et encore, je dis ça, mais ça dépend de si le jeu me plaît vraiment ou pas. Si au bout de 5-10 minutes ça me plaît pas, je couperai la vidéo le plus vite possible. Hein. À Seattle, WA, 4 juillet 1986, 145 jours après le patient zéro. Et après la tempête vient le calme et le silence qui rendent fous les hommes. Carla, Carla, pourquoi? Pourquoi? Randy, bordel, tu peux me dire ce qui s'est passé ici? Elle est couverte de morsures, elle savait qu'elle n'aurait pas dû sortir. Tu l'as tué, salaud! Tu l'as assassiné, elle est morte! Mais qu'est-ce que tu as fait? On serait déjà tous morts à cause de ta petite sœur. Combien de fois on t'a répété de ne jamais te séparer du groupe? Quand on dit jamais, c'est jamais. Soit on rejoint la base militaire dont tu parles tant, grand-père, soit on meurt ici et maintenant. D'après le message radio, elle est dans le coin, à un peu plus de 8 km à l'ouest. Allez, nous venez. Je ne laisserai pas ma soeur ici toute seule. On ne peut plus rien faire, Stella. Elle a le crâne explosé, bordel. Évidemment. Courage Randy et bonne chance, on va les trouver, j'en suis sûr. Ce jour ne marquait ni le commencement ni la fin de quelque chose. Ce n'était qu'un jour de plus, un jour comme les autres. Le monde agonisait et nous en étions les survivants. Mais c'est un jeu en deux. Chez. Le bois est pourri et les planches ne sont plus solides. Ah mon dieu! Ah zombie! Mais non! Ah, trouve obtenu. What's on your mind? Ok. Secret trouvé. D'accord, c'est sympa, hein, mais je fais comment pour. Pour continuer. D'accord.
Bah! Ils sont morts. Maman, ils sont morts comme des merdes. Oh, c'est chiant. Je suis désolé, mais c'est nul à chier, c'est de la merde. Il est nul, on comprend rien. Je suis désolé, mais c'est vraiment de la merde là. Je m'attendais à un jeu limite en mode à la troisième personne. Finalement, bah non. C'est un jeu en 2D. Non mais putain, un jeu de zombies en 2D quoi. C'est nul. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je sens que je vais faire un truc très grave. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Lemmy Koopa. J'ai vite coupé ce jeu de merde et du coup, au revoir tout le monde.